Bon, Meshak, alors Kounia l'a dit nous deux passages dans plusieurs clubs ça yo bon peut-être Bouya Antijan a ba nous problème tout petit. Nous t'a dit que deux passages dans plusieurs clubs ça yo, notamment en dans club Austin Aztec là, Orlando City, Kansas City et actuellement on dans c'est dans Locomotive El Paso au Texas. Qui est nous capable dire dans tout club ça yo, qui font plaisir. J'aime dire font plaisir comme si ou t'es senti ou t'es dans le bain. Mais chaque dit nous moi pas ou pas trop parler nous non de passage clair ça ou que tu fait dans impact de Montréal. Parce que nous capable dit attends nous capable dit ou en année 2014 ou tu font passer dans impact de Montréal après seulement 3 semaines eh bien ou quitter impact de Montréal ça qui passé. Ok. En d'impact de Montréal, c'est presque même genre tout avec Charlotte Independence. Parce que après 4 mois, parce qu'on fait seulement mai 2015 à septembre 2015 en dans Charlotte. Voilà. Mais chaque jour, on faut rappeler avec auditeur cap suivre nous sur radio et ça cap suivre nous sur Facebook tout. Nous gagne comme invité ensemble avec nous international haïtien Meshak Jérôme qui est par téléphone puisque il est en Haïti là en vacances. Actuellement là Meshak Jérôme il pas en dedans équipe Independent Charlotte là encore ou trouvé dans El Paso Locomotive FC qui c'est nouveau club depuis 2019. Qui j'en sais pour Gaga,
Mais dis-nous, non, Meshak, traverser Wanda El Paso, est-ce que c'est Coach Jack qui fait tout à coup ou bien comment tout à coup? Ou est-ce que c'est que le Black qui tape sur Meshak? Jacksonville. On va parler du nom de Orlando City, ancien club Kaka. On va quitter un joueur avec nous. Bon, Meshak, je vais poser une question là. C'est plus un bagage qui toujours pas être louche pour un pile joueur football qui a joué à l'étranger. Bah, on est ce que vous rentrez dans le même contexte là. Dis-nous, comment contrat combien de temps vous avez avec le blanc et puis un contrat combien de temps? Ça ne vaut pas dire. Contrat en termes de l'argent payé le mois. Ok, pas du tout payé le mois. Mais combien de contrat est dur contrat avec le Komoti? Ça veut dire contrat, ça son contrat qui est renouvelé, n'est-ce pas? Il y a peine renouvelé. Ok. On va dire un nom échappé de notre contrat. Meshak, club là, nal sous page club là déjà souhaité Meshak welcome back après et blessure et dans quoi c'était devant Bermude. Ouais, t'es blessé pour Ligue des Champions pour World Cup là. Donc en essai faut quitter dossier club là, Meshak en sélection. Ouais, World Cup ça c'est premier World Cup, n'est-ce pas? Mais dis-nous, Meshak, comment sentir l'équipe haïtienne en fait tout pas pour ça, éliminé en demi-finale? Alors, Jean-Pierre nous dit, les mêmes la presse internationale dit tout. Et nous, capables, c'est Abid qui élimine nous devant le Mexique. Et qu'il a fait tout pas pour ça, sans Meshak, à part le premier match, peut-être 5-6 minutes pour te jouer dans le premier rencontre. Donc, comment sentir l'équipe à marcher comme ça, battre l'équipe? Jusqu'à demi-finale. Thank you.
Exactement. Mais Michak, est-ce que satisfait de parcours avec club, avec trois trophées dans palmarès ou avec club, vous satisfait? Est-ce que mes chacun lui-même est satisfait de zone noire juillet, les mecs de zone noire juillet, un passage clair en Europe, un passage clair quelques semaines en Europe, donc pas arrêté. Est-ce que l'intention pas manqué pour ta changer ou du moins à laisser mon métal au grand club? Médecin t'a demandé entre 6 mois à 1 an pour mes chaque page de football, n'est-ce pas? Six mois de pour blesser ou bien 6 mois de pour opérer? Et qui
Mais qu'on y a la vie chaque jour, c'est qu'il le saison, nous l'avons commencé nous là avec le même chaque jour, on va le finir, oui, mais on va pas poser une question ça. Avec un nouveau format de CACAF, pour sélectionner son nom, spécialement la carte, pour participer dans le cours du monde, comment on va avoir sélection ballon pour le cours du monde. Soit vous faites une ou deux matchs, vous êtes là, vous avez un match, chaque monde a un match. Mais vous faites nous-mêmes nous deux matchs et puis qui a ce deux matchs, Costa Rica et Brésil. Et puis tout, même nous, quand on chante tout, mais qui était là, vous même pensé que c'était même tant ça a besoin pour nous préparer pour quelque chose, parce que la balle est différente. Ok, ok. Mais dis-nous, dans le camp d'entraînement, équipe ça, c'est qui est-ce qui est plus bon en nous? L'aime pas, tant qu'on m'a parlé de sélection. De sélection, là, comme si l'équipe l'a concentré. Bon, c'est chaque nègre capable de jouer au football, li plus à les avec, ou bien qui c'est plus bon en mille. Et ou même, bon côté pour c'est qui est-ce? Comme je tout le monde bon en quand même, moi, bon en c'est Abel Kato. Ok. C'est une des avantages de chambre. Ok. Donc, je vais prendre une sélection, c'est mon BA. Ancien joueur Baltimore, tout. Ancien joueur Baltimore, donc ancien joueur 17 ans, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est la plus démocrate pour un problème de visa qui est arrivé à l'État. C'est lui-même, moi, je vais dans Baltimore, on a fait confiance ensemble. C'est lui-même qui nous a mis la sélection, mais. Nous avons toujours ouvert tout le monde sur le partenaire, mais on est bon pour le partenaire, c'est à Denis. Ok. Mais qui le met chaque là pour retourner aux États-Unis pour lier à le jouer avec le club? Mais c'est bientôt parce que le club a été contacté pour retourner à vos profits, mais là, c'est bientôt dans le tournée pour nous aider à jouer avec nous pour nous aider à la saison. Faut nous rappeler avec mon cap suivio, nous gagnons ensemble avec nous Meshack Jérôme qui c'est international haïtien, qui c'est vice-capitaine sélection nationale là et actuellement qui a joué dans Locomotive El Paso aux États-Unis. Non ça Meshack, li sonne tant qu'on au nom club espagnol lui. J'aime vous connaître El Paso, qui est déjà suivi mais lui tout le chantier. Parce que frontière de frontière Mexique. Frontière Mexique. Highway États-Unis en cas en tant que 50 mètres avec Highway Mexico. Et tout prix. Vous venez à campé. Vous venez à campé sous Highway. Et vous parlez en Mexique. Vous parlez fort là-dedans. En forme de son côté un peu l'espagnol parler, c'est peut-être ça.
le jeune mot non espagnol taïbali. Ok. Mais ça me fait partie parce que l'inflation de la mode que le bois et il y a plusieurs noms, il y a été proposé, mais c'est elle passe le locomotive là qui est venu. Mais comment ça? Étant donné que vous parlez de club là qui trouvait l'île en frontière Mexique et les États-Unis, comment ça allez-vous avec le langage là? Là, je parle de langage espagnol là. On dit genre, ou m'a monté quelques tigrines? Non, m'a monté quelques tigrines. Non, je comprends espagnol, même si on va parler en film, mais grand film qui parle, on est États-Unis, Mexique avec El Paso, tout près, mon cas El Paso, il y a un pile qui parle des langues, comme ça, tout bien, il y a un pile qui parle dans cette langue, mais la majorité a parlé des langues, il y a un anglais, il y a un espagnol là. Nous avons tous les deux équipes, nous avons qui sont en Argentine pour parler espagnol seulement, mais nous avons El Paso, il y a communiqué à l'aise, il parle espagnol, il parle anglais, mais écoute, ça fait anglais, il parle, écoute, ça parle un petit espagnol tout petit, mais c'est anglais, il parle aussi. Ok. En tout cas, mes chers, moi-même, bon côté PAM, tout staff radio Stéréo 9 là, yo gen tan di ou welcome back avec Club ou, spécialement après au fin blessé. Jodi a la, yon dernier mot pour fanatik yo, spécialement fanatik El Paso et fanatik tout haïtien en général. C'est qui ça le taille? On salue staff là, d'abord, on salue. Merci parce que nous avons l'opportunité de parler. M'a dit tout le monde était confiant et m'a prié bon Dieu pour nous voir jamais, pour nous pas blesser encore. Et je pense que nous allons travailler plus fort tout. Et nous allons mettre en plus discipline que j'en fais. Et puis, oui, on différencie bien en ce moment-là avec nos voix. Nous allons travailler plus sur le terrain du temps. En tout cas, merci en pile, mes chers Jérôme. Je pense que. Et l'autre le nous capable de parler encore. Mais pas de problème, n'importe là disponible pour nous parler. Voilà, merci en pile, c'était international haïtien Meshack Jérôme que nous t'ai ensemble avec nous dans studio disons dans par téléphone que Meshack Jérôme était ensemble avec nous. Côté que nous parler en pile avec Meshack Jérôme. Meshack Jérôme actuellement qui c'est joueur locomotive El Paso. Meshack Jérôme qui parle nous de contrat li avec club ça qui gagne un contrat 1 an puisque contrat ça li à peine renouvelé. N'a parlé de club El Paso. Donc nous connaissons Meshack qui saute passer quelques mois blessure. Donc monsieur qui déjà retourné avec club. N'a seulement observé un coup de pause. N'ap tourné mais les n'ap tourné nous va parler basketball, c'est pas pral NBA mais c'est pral de power forward international puisque Jean-Bernard George dit JB li déjà souligne ensemble avec nous. N'ap seulement observé pause là auditeur auditrice n'ap tourné. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Prépare-toi à vivre l'expérience inédite sur ta radio préférée. Sur ta radio préférée. Le pire de la libre antenne en direct, ça se passe seulement que sur Fun. Attention, dans quelques secondes, il va t'envoyer du lourd. Prépare-toi à vivre quelque chose d'incroyable. Et tout ça, ça se passe en direct. Alors, monte le son. Radio Stéréo 9 est au cœur de tous les événements sportifs. Les grandes stars du ballon ont pris rendez-vous sur tous les terrains. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Gold Cup, la Copa América, Haïti et ailleurs, Stéréo 9, la radio du sport. Anes la baba, en pile mon boule, depuis autant de ce football. Merci en pile avec mettez en nom de nous, Barnebourg, qui m'a fait un travail sérieux. Tant que j'en t'ai déjà annoncé dans le début émission, et même tout après que, avant que nous te prenne pause là,
Nous sommes parlé avec Michel Jérôme et deuxième invité nous là, c'est Jean-Bernard Georges. Tout le monde connaît son nom JB, puisque de pouvoir parler de basketball en Haïti, ou pas capable de parler de Jean-Bernard Georges, JB, qui déjà a fait le nécessaire pour nous rejoindre là. Jean-Bernard Georges, qui est un représentant Power Forward International. Et Power Forward, nous connaît qui a dirigé par Pierre Valmira du Titanic et monsieur Sayo qui gagnait en pile objectif, notamment yo gagné des joueurs que fait joindre soit des bourses ou bien des demi-bourses pour capable à étudier. Ça veut dire yon bagaille qui c'est sport et études que nèg sa yo même yo fait n'a parlé de Power Forward International et JB Jean-Bernard Georges qui c'est représentant instance ça Power Forward. En attendant, on a essayé de faire des manœuvres pour nous rejoindre Jean-Bernard Georges. Donc, petite difficulté technique, nous pourrons capable rejoindre Jean-Bernard Georges, dit JB. Donc, par contre, parce que avant émission, hein, JB nous était en parler, mais bon, profiter de saluer quelques monde qui ont même branché radio stéréo 9. Moun qui branché nous sur Facebook là et en pile moun tout qui branché nous via www.stereo9radio.com notamment yon moun tankou n'a parlé de Will Kite Lusmo dit Tirejimas vocal Orisma Jean Donaïs Chéri Jean Renal dit Jeune Timoun ancien journaliste Radio Énergie et c'est ancien de radio Megastar et même Radio Nouvelle Génération. Orisma Jadonaï qui c'est PDG New Orientation Radio et Will Kite Lusmo dit Tirejimas Vocal qui c'est PDG Radio Agora Inter qui a font gros travail spécialement dans la cour Canada. N'a pas prend un coup de pause tout petit en attendant de faire contact ensemble avec JB Jean-Bernard Georges pour tout bagaille capable. OK. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Prépare-toi à vivre l'expérience inédite sur ta radio préférée. Sur ta radio préférée. Le pire de la libre antenne en direct, ça se passe seulement que sur Fun. Merci, merci en pile avec Barnebourg qui a fait un travail sérieux là. Et NAPC fait manœuvre. Merci en pile, Jean-Bernard Georges, JB, qui nous a rejoint. Jean-Bernard Georges dit JB, li fait me connaître que là. Donc parce que avant émission 1, nous t'ai fait contact ensemble avec JB que nous t'ai joindre. Donc nous sont grandes difficultés techniques pour nous t'ai rejoindre JB, mais kounya là, m'pense que tout bagaille OK pour JB et pour JB capable participer ensemble avec nous puisque nous pas arrêté en pile là. JB, comment nous est Daniel? Comment nous est JB? Ou live oui sur radio? Sous Radio Stéréo 9. Bon, nous saluons tout le monde qui branche et live là. Nous saluons Michel Jérôme, international haïtien qui se parle là. Mm-hmm. Et malheureusement, blessure de mettre M. Deyo dans la gueule que blanc. Même parce que M. Paris regrette tout parce que Negio, qui était remplacé l'an du Jean-Baptiste avec le partenaire, et il fait M. Honneur au Kimbé défense haïtien. Mm-hmm. Même le Guédé bat nous rate de Gaulle, mais nous baille toi. Et je pense que défense là, et c'est des mondes que nous n'étions pas jamais découvrir. Uh-huh. Si Méchac était blessé, et Jean-Baptiste, que nous avons beaucoup de chapeau pour lui. Uh-huh. Et Méchac, qui c'est avec Adip, qui c'est libéraux titulaire, une carte de défense centrale vraiment, uh-huh, titulaire sélection. Exactement. Bon, JB, nous connaissons ensemble avant, depuis c'est avant nous y. Et nous pas trop chita dans affaire football. Nous connons contre football lui parce que c'est un dirigeant, ou c'est un dirigeant équipe Don Bosco yo, moi même ensemble avoir où il quitter Lucien Tiregi. Nous te fait des années dans Radio Scoop FM, Radio Télescope que nous te connons partager micro ensemble. Je dis là moi c'est bon correction, pas dirigeant Don Bosco non. Ah bon. Moi j'aime ya non c'est fond de ça. Et nous avons travaillé en collaboration avec Don Bosco. Nous avons l'époque vraiment de notre bord là. Okay. Nous avons notre bord de Don Bosco, tout le monde de A à Z, nous avons bonne confiance. Okay. Et puis, bon, on a fait travail, faute de temps, réunion fait les mardis, jeudi. Ou pas là. Les gens qui sont parce que nous pas là. Parce que l'instinct professionnel, bon, mettons vieux bagage là quand même pour l'école là.
Okay. C'est que c'est même qui fait tout le monde m'étudier. C'est-à-dire que réunion deux fois par semaine, quand tu viens déranger, moi, le mardi, je dis, moi, je ne peux pas faire tout le monde m'étudier. Donc, j'ai quitté ça. Mais, moi, je travaille en étroite collaboration avec madame. Exactement. Et madame Bouba, qui a une décision de voir madame Bosco, qui a une bagarre à faire pour lire les mains. Exactement, c'est que mon cadeau actuel, madame, son VIP du Don Bosco. Ok. Bon, je dis ça comme ça. C'est plus facile de son VIP du Don Bosco que du Jean-Claude, madame de là. Okay. Parce que pas qu'on va dire de mon quoi faire, on pas au courant, même le pas là. On travaille, même d'après pas là, mais je ne vais pas vous mentir. Et madame, non, c'est mon qui est moi, je suis toujours pour jouer des grands projets pour le football haïtien. Okay. Et moi, quand courage, je me mets dans la tête. Bon, là, je vais aller dans la tête, je me dis, madame, dans le niveau, il y a la poêle, il faut que c'est un petit okay. Que c'est peut-être général en club seulement. Okay. Bon, là, c'est ça. Ok. Bon, JB, on campe le dossier Don Bosco, puisque c'était juste une précision que vous avez portée pour auditeurs et même téléspectateurs qui ont suivi nous sur Facebook. Dis-nous, non, comment ouais. Power Forward International, comment lié? Puisque nous sommes tous en Power Forward, marché bien. Marché bien, vous avez l'autre après l'Imdaléa, c'est avec CEO Power Forward, M. Souligne. Et nous avons parlé de projet, nous avons pour basketball en Haïti, parce que pas oublier, et bureau fédéral qui est là, les CADUC, mandat de fin 2019, décembre. Les six bâtés qui étaient écrits, vous avez fait l'élection depuis en juin, pour vous être aligné avec tout le monde. Malheureusement, la conjoncture politique qui fait pas fait élection prévoit pour 28 mars. Élection ou sélection? Élection. Okay. Parce que le mandat est déjà fini. Ok. Pour la suivant sa fibaté d'Inegio, du dernier date de l'Assemblée générale, il faut que 3 mois séparés, élection pour le monde qui a vu poser candidat sur eux, pour qu'après le temps, préparer eux. C'est campagne tout. Pour qu'après le convaincre eux, faire campagne exactement, c'est 3 mois. Okay. Et l'Assemblée a été faite. Et samedi 28 décembre, non? Élection a fait 28 mars. Et je ne sais pas si on a dit que là, mais même cette année, nous tous nous en bataille. Attention, l'on parle de la bataille. Comment? Vous supportez un monde ou bien? Non, je ne vais pas cacher rien. Depuis 3 ans, tout le monde connaît même mon candidat. Je fais partie d'un cartel qui va le briguer et poste. Et bureau, nouveau bureau fédéral là. Okay. Et ça, c'est de tout qu'on a, qui connaît le basketball, supporter nos bails parce que je connais que, et même moi, pas de bon menti. Il y a 4 ans de cela, je t'ai offert un poste président fédération. Gabriel Onzambi, je suis dans la rue, j'aime déballer lui. Mais malheureusement, on connaît haïtien, ça me balle de là, et pas vous de vie, si ma vie, c'est lui, si on peut petit bien gras sous la terre haïtien, ou ensemble de là, c'est-à-dire que moins d'un an après, dès que ça a pris des discussions avec moi, m'obliger comme conseiller fédération, m'obliger à quitter ça. Je me dis, bon, pas grave, fait tout bagage dans le basketball avec Power Forward, avec Jibbe Basket Promotion, avec Moonville, où est-ce que ça a fait place pour aller chaque année. Là, ben, plus que 40-50 000 $ américains matériels et ballon basket. Oui, nous sommes, je me suis participé non dernier, c'était 2013 ou 2014. Oui, ça c'est bien, au niveau de l'île. On va laisser un dernier monsieur à titre d'entrée. Exactement. Et je pense que c'est un petit monde qui est bien placé parce que, au point de vue international, la France, nous avons contact directement avec la Fédération française de basketball. Okay. Nous avons contact directement avec un représentant de Nike Dallas. Okay. C'est là, maintenant, monsieur a un paquet de petits parties liées. On va dire que nous avons le Job Nation. Pour le monde qui a regardé, capitaine de live, qui a regardé lui, si on a sur Internet pour l'entraper Drive Nation, la pour eux, son académie qui build aux États-Unis, Dallas, pour 14 millions de dollars. Et côté d'un partenaire, c'est un ménolier qui est Derrick Shelby, et puis qui fait partenaire avec Jermaine O'Neal, qui est un ancien star NBA. Côté nous, il y a au moins 3 à 4 petits qui ont pratiqué, qui ont formé dans Drive Nation. C'est-à-dire que je ne vais pas garder le contact avec ma belle monde dirigeant. Ok. On va dire que je suis même moi dans la bataille. Ok. Bon. Là, tout le monde connaît clairement JB, Jean-Bernard Georges, li dans un cartel. On dit li déjà dans un cartel pour briguer poste. Non, cartel qui prend l'élection. Qui prend l'élection pour capable venir diriger la Fédération haïtienne de basketball. Bon. Attention JB, comment on dit que ou dans cartel, on va caba nous quelques noms. Et même avec ça dit pour le moment confirmé. OK. Et
Et je pense que Blanchard tout, Blanchard va avec nous. Bonne fille, il bonne fille qui va avec nous. Et quand elle est là, elle va monter. Mais Pabli est bonne fille. Li déjà actuellement là, li dans la fédération SN de basketball. Li plus accentué oui. Sur affaire privée que fédération. Allez, dit fédération, on pas régler pour lui. Non, l'essentiel c'est Merson parce que nous-mêmes en fédération, c'est pas tout le monde va faire cette bagarre là dedans. Pour tout le monde mettre tête que ça. Par exemple, même voler pas maintenant, c'est voler international, ça c'est contact, ça c'est okay. Fond. Pour faire développement basketball. Il y a des qui là pour faire basket 3-3, nous avons des mesdames qui là pour faire basket féminin, nous avons des mondes qui font mini basket. Tout le monde a pris son bagage. Au contraire, si nous avons des opérateurs qui ont fait basketball, ils sont pour nous. Laissez avec nous, nous avons un championnat national de basketball. Même si on a des championnats nationaux de football, on a des réussites de jouer avec moi, donc nous avons joué à Africa. C'est une autre. Automatiquement, des opérateurs de basketball, ça sont pour nous. Des affaires de la moins c'est fort les besoins font jamais là. Ok. Bon, Kounyala, on ne peut pas parler de fédération. Nous connaissons aussi un monde qui représentait Power Forward International, qui représentait l'en Haïti. Donc, c'est comment ouais. Parle avec nous, non? Et c'est pas non petit bilan, non, JB, de année 2019 là. Comment ça a été pour année 2019 là, il était vraiment dur parce que, pas oublier. Dans un premier temps, il y a été mal démarré, manifestation tout le temps, et qui pourrait venir intensifier dans la période où nous allons faire crêpe, parce que nous avons fait 2 à 3 crêpes par année. L'aide de projeté pour nous faire crêpe en mai en Haïti, nous avons venu intensifier la manifestation qui fait nous renvoyer crêpe, pendant que nous avons payé le gymnasium, payé à droite, payé fait bord, payé tout le bagage à eux. On même ticket qui était acheté, nous avons cancel le camp là. Et nous disons que pour ne pas faire même en Haïti, nous avons fait le camp là pendant décembre, ou en décembre, qui vient de démarrer tout novembre, nous n'avons pas écrit des données pour nous dire qu'on a fait le camp là parce que les bagages ont été en bas. Nous disons que nous avons fait le camp même parce que nous suspectons que décembre est plus ou moins bon. Et puis nous avons fait le camp là. Et puis 21 décembre, dans la gymnase de Vincent, nous faisons le premier camp nous et unique camp nous pour aller sur 3 pour nous défaire. Nous avons obligé de faire une. Nous avons reçu un cadeau de photo pour 390 jeunes et 6 gros garçons qui devaient monter et là. Et mon cher Mbap Bomanti, il y a une là qui est dans le processus pour une nombre d'études qui est la VIX. Je vais appliquer une application pour M. Phil. Pour le processus à faire, si tout le monde passe bien, je suis supposé recevoir I-20 pour l'ambassade, pour l'allemand des visas. Et si tout le bagage marche, tu vas avec ça qui était supposé quitter le pays très bientôt. Ok. Dis-nous, non, JB, Power Forward International, nous connaissons, c'est une instance qui toujours fait tout le monde des jeunes jouer une bourse. D'abord, il y a plusieurs jeunes. Jerry Baptiste, c'est Power Forward qui fait le jeune bourse. Power Forward qui fait le jeune bourse. Et Schneider Era tout. Chinera, au paquet, et puis, vous m'avez pas dit, là, on parle de, en termes d'activité sur 2019, là. Mais 2019, là, d'une part, il était très fructueux pour nous, parce que c'est une année qui a de nouveau plus de monde bâti. Okay. Et c'est 2019. Contrairement au pays qui est bloqué, mais, nest a détecté, on a fait en 2018, c'est le dernier qui a fait en décembre 2018, là. Par exemple, Apollon, Apollon, Event Apollon, il était bâti. Okay. Et Anessa. Nous gagnons Andy qui parti à Nessa. Okay. Nous gagnons Isaac Geneste qui parti à Nessa. Qui est son corps nous gagnons qui parti à Nessa. Nous gagnons 4 jeunes qui parti à Nessa. Après, il n'y a pas de bon. Oui. Okay. Il y a 4 jeunes. 2 derniers qui partent, c'est Andy Toussaint qui est Mississippi. Et puis avec Isaac Geneste. Et Timon et des cathédrales, des zones qui nous connaissent bien. On s'est le fond de la carte, monsieur. Okay. Et actuellement, là, monsieur California, et forme de que monsieur son est ensemble avec Andy, que, et pour si vous avez l'ambassade qui est fermée, tout le bagage, ça va aller très du coup de l'ambassade, c'est sénateur California qui écrit ambassade là pour monsieur. Et puis, avec et maire ville, monsieur Dabraléa, son véhicule est Napia, qui est California qui était écrit, et puis était à faciliter les guillots pour négocier un visa pour être allé. Et actuellement, là, c'est 2 derniers petits qui partent dans le mois et demi aux États-Unis. Et je ne vais pas vous mentir, en termes de bourse d'études,
et 2019 là, elle pas mal du tout pour jeunes. OK, j'ai bien. Donc on a voulu 5 team on parti, un gros bagage. OK. Next ça, nèg qui parti, yo aller dans high school ou bien dans collège? High school, elle finit high school. OK. On s'est déjà ça petit grand, il va gagner 16 ans. OK. Ça veut dire nous commence à la base. Non, nous pas qu'avoir monde dans collège parce que on est pour voir monde dans collège. Aux États-Unis, il faut que l'on ait TOEFL avec SAT. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle anglais, écrit bien, il faut qu'on niveau ou lien. Okay. C'est-à-dire que nous faisons pour qu'on arrive jusqu'à 16 ans, parce que si vous arrivez aux États-Unis à 16 ans, au moins vous gagnez 2 ans à 3 ans. Facile, adapté ou? Exactement, exactement. Laisse ça, ou prendre des summer school, parce que nous faisons genre pour ne pas partir en vacances. Nous avons un mois et demi, pourquoi 2 mois devant pour aller summer school. Et puis après ça, pour ne pas avoir 2 ans devant nous. Et pour les gars, année passée, il y a une groupe qui nous fait là, et merci pour l'auditeur captain de l'émission. Année passée, moi j'étais parti, j'étais là, j'étais parti avec un jeune, puis nous avons repéré ce mec. Et c'est Liaman. Ok. Mon cap est de la radio qui a tapé Liaman, L-E-E-A-M-A-N, H-A-R-M-A-N, je le Liaman Caille de d'or. Actuellement, la maison n'a un an. Haïtien. C'est mon témoin. Parce que non, on dit j'en sonne en Asie. Oui, d'or, D-O-R-T. C'est comme ça, mais on n'est pas là, tout le monde a eu. Il y a toujours un petit américain de Slakayo, il y a le Jefferson. Il y a un petit nom ça. Parce que papa, monsieur, il est caillé d'or. Ok. Et puis, baron, est-ce que monsieur, écoutez, je viens de lire. Parce que d'habitude, ça retourne. Ça a été aimé Bruce Lee, ça a été aimé Bobby, Jet Lee, One, et puis comme ça. Et puis, monsieur, on est vraiment typiquement américain. Mais d'or là, nous connaissons d'or, c'est français. Vous comprenez? Ok. Nous connaissons d'or, c'est français. Ok. Et actuellement, la maison, monsieur, c'est numéro 2 dans toutes les États-Unis pour classe 2022 pour NBA. On est qui gagné un an aux États-Unis, qui était Saint-Macla. Monsieur, c'est numéro 2 aux États-Unis. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, puis tout dépend de Saint-Marc, il y a un an de cela, mais actuellement, là, monsieur, nous sommes deux dans tous les États-Unis. Okay. Si monsieur est comme ça, même dans le collège, il va même passer dans l'India directement. Il y a même Baby Shark. Ça veut dire, monsieur, est-ce que le même Jaskiel ou est-ce que le Gonek tout, même Jaskiel? Monsieur, 6 pieds 10 foot, monsieur, 6 pieds 10 foot, 235 livres. Wow. Ça veut dire, monsieur, il y a un bagage dans le même. OK. Ah monsieur Gbagay et monsieur dans Drive Nation tout côté c'est Jermaine O'Neil qui entraîne monsieur comme une entraîneur personnel monsieur. OK. Bon, JB, dis-nous. Yep. Power forward nous connaît base centrale li c'est aux États-Unis. Mais est-ce que tâche là Boston, OK. Est-ce que tâche là li facile pour même qui en Haïti pour capable faire tout contact yo? Parce que nous rappelons, ça ka gagne environ 3 ou 4 ans de cela. Power forward international li te fè vini et Nerlens Noël en Haïti. Mais est-ce oui, que nous gen bel contact à monsieur? Mm-hmm. Par exemple dans dernier quête nous fait pour décembre là, monsieur voulait 350 maillots qui marqué Nerlens Noël et Nike qui est international Nike et puis qui marqué Haïti, c'est maillot monsieur fait spécialement pour Kepler le voyer ballon et puis monsieur voyer en cinquantaine de ballons fait un cadeau pour Kepler. Alors, bon, c'est qu'il n'a pas travaillé, mais c'est pas un fort d'a travaillé. Même t'as souhaité, oui. Au cas où, nous t'as brigué post comité pour ta vine diriger Fédération Haïtienne de Basketball, nous t'as souhaité même fougue, même dévouement ça que nous avons pour Power Forward, pour nous toujours gagner le Fédération. Parce que attention, t'as l'air ou pas l'air de bonne fil cap dans la cartel là, mon petit Jean plein fait, t'es fait. Non, et c'est parce que. Et mais ce n'est pas parce qu'on pile le monde, par contre, qui est-ce qui est Emmanuel Bonfil là? Mais même moi, côtoyer M. de loin, de sceptique Jean-Yves. Attention, moi, même pas, il n'y a pas problème que je avec elle. C'est pas problème que je Donc, m'oblige à me faire comme ça parce que Bonfil, c'est une anègue, il est toujours comme si pendant la fédération, ce n'est pas facile pourtant de Bonfil à parler de fédération, non? 90%. Attention. 90% c'est de Siba et puis comment H-Back lui parlait. Avec des fédérations, ce n'est pas facile. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème pour nous. C'est comme si nous avons dit que nous avons commissionné NBA pour nous parler de fédération américaine de basketball. Ça n'a pas intéressé, monsieur. Là, c'est basketball là, dans le niveau professionnel,
et puis nous-mêmes qui dans la fédération a tout tiré joueur pour nous monter sélection. Okay. C'est ça qui est important. Vous comprenez de là? C'est tout autant fait le plus bien, le plus bon pour nous parce qu'on a bien joué qui est au niveau. OK, JB m'gonzan mim qui posait mon question là en bas live là, am sous téléphone moi. Li dit est-ce qu'on capable expliquer, font expliquer yo, ou t'expliquer pour qui raison équipe haïtienne dans la compétition le participer Saint-Domingue là ou t'es disqualifié monsieur. Saint-Domingue là, il est allé Suriname. Oui, Suriname, merci. Il était disqualifié négio parce que et général manager là, c'est pas qui Washington, c'est pas qui Lille ou bien. OK. Ouazamboula, il dit que les joueurs ont été étonnés, mais qu'on est généralement dans une fédération, même loi internationale, il ne connaît pas. Parce que la loi qui clairement dit que si on a besoin de jouer, c'est une loi qui est discriminatoire, oui. Parce que c'est une loi qui exclut un pile de jeunes qui sont américains, mais qui ont origine dans notre pays, qui n'ont pas joué pour les États-Unis, et puis qui ont même joué pour notre pays. Il dit que si vous avez joué pour notre pays, c'est depuis 16 ans. Pour reprendre la nationalité. Mais non, à 16 ans, c'est le timoun. Moi, bien doux, c'est ça que le discriminatoire, je ne peux pas comprendre si gens, l'autre fédération, d'accord, FIBA, vote une loi comme ça. Loi dit clairement, mais si on ne peut pas avant 16 ans, après 16 ans, c'est un seul monde qui peut prendre, qui peut jouer pour vous. Vous comprenez, dame de là, cela signifie que dans tout le monde qui était dans la sélection, il y a 3 personnes qui peuvent jouer pour nous. C'était Antoine, qui est haïtien, et il a ramené l'autre nationalité. Okay. C'était, on va dire que Kevin Bristol Saint-Noir. Kevin Bristol, pourquoi il a joué en Suisse? Oui, exactement. Mm-hmm. Et puis, parmi l'autre négio qui était américain, qui vient bien passeport après 18 ans, nous avons un grand négladeur qui joue pour nous. Okay. On s'est battu que tu as écrit nous depuis avant de dire ça, mais généralement, avec l'autre négio, passé ça sous silence. Les niveaux n'ont pas mon et puis yo nous tombons en bas avec la loi. Okay. Et vous faites des recours, il y a longtemps, vous perdu. Okay. Et vous êtes bien perdu, je ne pas mentir. Mais comment est venu le basketball là, lui-même, en Haïti? Mon cher Bombo, en Haïti, tu es bien, mais ça, et ça, comme vous savez, en Haïti, ça n'a produit en Haïti, actuellement, là, il n'y a pas qu'à compter avec l'international. Okay. Mais nous avons des éléments valables. Par exemple, Mboy, Liamon Semak année passée. 6-7 juillet comme Semak, toutes les autres où tu étais de Haïti, on était Semak même. On était dans le camp basketball, on t'a détecté, monsieur. Un an après, je me suis passé 26 septembre. Un an après, Messon. Un an après, aux États-Unis, monsieur Guetta, dans le top 8. Dernier classement qui sorti là, monsieur top 2. On t'a dit, on t'a ici, on prend. Quand il y a un petit basket Semak, on mettait une structure normale. Et puis, il bat tout l'Américain après un an. Quand il joue basketball lui-même depuis 7, 8 ans, depuis à l'âge de 7 ans, après à l'âge de 8 ans, quand il y a un gars 5, 16 ans, il fait numéro 2 dans tous les États-Unis. Ça veut dire. Ça veut dire. Ressources humaines, yo là. Yo là. C'est seulement exactement. Investissement que nous avons besoin pour nous capables. Investissement, nous capable encadrement, malheureusement. Correct. Malheureusement, l'État n'a pas occupé de sport que le basketball n'a pas occupé de sport même. Parce que si vous avez l'État, c'est bagaille. Automatiquement, on invite deux, trois étrangers, ils font séminaire pour qu'on puisse disparaître. Parce que là, on fédération 12 à 13 000 dollars américains, 14 000 dollars américains par année pour faire basketball, c'est rimoui. Parce que même là, on fait quelques parfois, ils vont coûter 17 000 dollars. Ok. On a envie de la faire un seul quelque là. Parce que les nouveaux suivants, ça qu'on est l'ancien entré, et la machine blindée pour rouler, pour rentrer à une maison. Machine blindée a eu lieu 500 dollars américains par jour. Les gars viennent nous faire 5 jours en Haïti. C'est ça. 2500 dollars américains. Pour les petits, il faut qu'on ait 5 mounes. 5 agents. 5 mounes. C'est-à-dire qu'on a une sécurité rapprochée, l'équipe a habillé, le plus souvent, on a des deux. Et puis, machine police, backup, même le c'est l'État haïtien. Ou bien son commissaire bien avec qui boit machine police là pendant 3-4 jours, et bien ou lui, même garant sur que le policier faut pas garder l'angé. Exactement. Parce que les gars font tout jour avant, toute la nuit avant. Vous comprenez de là, plus logement, les gars, hôtel, tout bagage, les gars viennent avec des photographes, parlent, ils viennent avec des gars, billets parlent, c'est cela, les délégations parlent avec 6 monde. Pour chaque monde, ça a un chambre hôtel. Okay. Vous comprenez de là, que les mots de taille, c'est 14 000 dollars, 12 000 dollars américains.
pas pour développer le basketball, c'est Rimri. Okay. Parce que comme ça, même mon local libre, il va calou pour la fédération. OK. JB, nous restons seulement 13 minutes pour nous aller, parce qu'il y a 20 fois que nous aller. Qui objectif Power Forward International pour l'année 2020? Mon cher objectif, nous, c'est mettre plus jeunes et sur le marché international là, parce que maintenant, on est obligé de faire politique ça. Si là, quand il va former, plutôt vous voyez si vous avez formé de yo, et puis laisse ça, par exemple, Antoine qui capitaine sélection, hein, c'est, il est là, et Antoine de Ronge, je parce qu'il a été, mais niveau, monsieur Courant, niveau basketball, il y a, sur les États-Unis, je me suis remboursé par Power Forward, qui est allé dans une université. Côté, monsieur fait 4 ans à étudier. À partir de la high school, il définit fait, avec la réunion d'une université, monsieur fait 4 ans et vous avez un niveau basketball Antoine. Son bel niveau basketball. Vous comprenez de là? C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est des plus jeunes et pour Power Forward sur le marché international là. Et puis, espérons que les jeunes soient au décrocher un contrat international, D-League, NBA ou bien en Europe. Tout ça, quand vous avez regardé Kevin Bristol, nous n'avons pas quelqu'un de capable en Allemagne, mais malheureusement, loi FIBA fait que ce n'est pas de jouer pour nous parce qu'il n'y a pas de dire nationalité avant 16 ans. Ok, je comprends. Vous comprenez que laissez-nous voir, ce n'est pas petit Haïti qui fait ça, laissez-nous connaître ces gens qui nous voient aux États-Unis à 13 ans, 14 ans, 15 ans, même l'autre a naturalisé. Mais dès que vous avez une nationalité haïtienne à 12, 13 ans, on ne va pas dire rien parce que vous avez un avant. Et dire, c'est plus haïtien, oui. Mais, Kounia Lajibé, dis-nous comment contact là y est. Nous connaissons, ou même avec Titanic, nous avons même cartel. C'est comment contact là, oui. Comment campagne là après le fait Kounia là. Non, campagne là fait de ça nous fait déjà. Tout le monde connaît parce que Power Forward et Nelson Ronda, si quelqu'un coach étranger qui tape entre en Haïti vient faire séminaire, c'est Power Forward parce que j'aime bien bagage en Haïti. Si quelqu'un coach qui parti à un séminaire une semaine, deux semaines aux États-Unis, à un séminaire avec Larry Brown. Larry Brown, c'est ancien Detroit Piston qui est champion. C'est ancien coach Iverson dans 76ers. C'est son coach du reconnu. Quand on a vu 10 entraîneurs, ils font semaine avec Larry Brown, ils prennent formation. Tout c'est pas au forum. Si nous avons chuté avec Adidas, nous avons chuté avec Nike, nous avons chuté en dehors pour négocier pour Haïti, c'est pas au forum lié. Il y a la grand pile monde qui a rentré en Haïti. Nous sommes vraiment contents que la grand pile monde qui a vini des basketballs là. Mais c'est parce qu'il y aurait pas au forum dit que monsieur. Gros bagaille en Haïti, des talents en Haïti, mais ils ont même présenté jusqu'à ce qu'ils nous présentent au SCAL, mais SCAL a bien au Portland, les NBA. Parfois, tu investis dans SCAL? Nous faisons SCAL parti, pas investir, nous faisons SCAL parti. Ok. Ça veut dire, l'IPATI. Ma voix, tout document, je vais recruter Mister, tout bagaille de A à Z. Ok. Donc, est-ce que Kounia la Power Forward, ou bien, ou même en tant que Jean-Bernard Georges, est-ce qu'on voit que y a des petits jeunes? Et dans le basketball là, aux États-Unis qui est capable de venir yon scal. Et si bien si bien on cabaye avec nous. Mais bon cette boy là Liaman. OK. D'ailleurs dans niveau monsieur là scal pas jam dans niveau ça Aliza. Ça arrive que les monsieur arrive puis devant blessure fait monsieur pas gain niveau mais si monsieur qui met niveau ça là bas tout jeune nous devons partir dans programme en termes de potentiel en termes de ça où est vous monsieur. Ok. Comme là, dans l'âge où l'âge, j'ai pu conduire longtemps que ça. Il n'y a pas de Liaman. Liaman caille de dos. Il y a Liaman caille de dos. Le gros, ouais, je suis dans le lit de dos. Ok. Mais pourquoi il y a là. Bon, Medi année a fini. Il était seulement un grand jour. Oui, il a fini. Il était seulement un grand jour. Mais pour année 2020, parfois, le pape organise un an avant l'élection. Et ça va dépendre de. Non, d'habitude, nous faisons trois quintes par année. Nous faisons une en mai, nous faisons une en septembre, ou bien août-septembre, c'est selon Jean, NBA ou l'île. Parce qu'on est NBA, le plus souvent, nous prenons des vacances en juin, et puis juillet, nous prenons pour la famille, et puis en août, nous commençons à faire des tournées médiatiques, bah, personnelles, aller en Asie, aller tout l'autre côté, bah, ça. Et bien, c'est le temps pour faire deuxième, c'est nous, parce que là, nous avons des lens, nous avons d'autres monde. Par exemple, année sans dévelé, inviter Joël Embiid, venir à l'Europe, je parle de 2020. Ok. Nous avons fait un contact, monsieur,
nous devons inviter les joueurs olympiques, inviter l'autre, n'est pas un bon petit qui a vu un Sixers là, ou monsieur papa avec maman, ça y fait. Non, c'est même Sixers. Dans Sixers, il y a exactement Paul Junior Goudin qui était correspondant dans l'NBA, qui a fait un agato Ibo, fait interview avec nous. Ok, je t'ai interview ça, monsieur même dit, il t'a un jeu pour Haïti. Exactement, c'est ça. Nous sommes plus pour inviter monsieur Haïti tout, parce qu'en septembre, août septembre, ou quand je viens de NBA, ça a fini. On n'est pas bien, la première fois, l'Elle-Centre en Haïti, le 27 septembre 2014. Vous comprenez, c'est-à-dire que l'Elle-Centre, et ça a toujours fait deuxième quête noire en août, fin août, commence en septembre, et puis traditionnel quête blanc, c'est dernier samedi, mois de décembre. C'est-à-dire que c'est ça, on a gagné dans l'agenda, non. Ok. Mais quand il y a la finou pour la fédération, son autre bagarre à pied. Pour une fois, d'abord, j'ai quitté l'Amédeg. Qui responsable yo moi ça me doit aller côté des nèg faut bail ça yo parce que là ça me pas capable et pas fort avec fédération n'a pas conflit d'intérêt là ça me va aller directement la fédération côté nous va faire basketball jeune nous va mais ça nous rien déjà nous même bon matin. En tout cas, Jibé, nous font bon parler oui par contre un second dernier mot parce que les arrivé pour capable conclure mon second dernier mot pour fanatique basket yo pour interviewer, je vous souhaite un bon année 2020 et je vous remercie tout le monde qui a encouragé l'émission ça parce que vous avez dit côtoyer, je ne vais pas même dire côtoyer, moi, bel studio, c'est moi qui connais côtoyer. Vous comprenez? Et je salue vous parler dans les coulisses. Exactement. Je salue Michel Guérôme et tout joueur sélection qui était dans une année de rêve. C'est la première fois que Brésil avec Argentine a joué une demi-finale au coup. On championnat que Haïti n'est pas occupé sa couche, parce que la sélection n'a pas joué. Et pour une fois, Meston, on va faire ça dans l'histoire du football. On va dire que le Brésil et l'Argentine a joué, et pas un match amical. Et pas un match premier tour. Ton match lâchement, demi-finale, et puis pas monde pas occupé de ça par le Brésil et l'Argentine. C'est Haïti qui a prétendu, tandis que même féliciter la sélection football. Et tous les jeunes qui ont joué au basketball, je dis que 2021, il y a un pile de perspective pour nous. Parce que automatiquement, que l'équipe qui a voté ou qui a voté, qui a tel que nous donne, que Titanic la donne, que l'autre monde la donne, l'autre monde c'est une nouvelle venue. Vous comprenez la donner, parce que nous avons plus de support. Nous avons un support Tito Di Benet, qui parle pas mais la bien monde parle. La bien monde parle. Nous avons plus de support, un peu de monde. Qu'a supporté Katel, parce que dès que nous comptons ça, nous faut et Merson. Nous comptons faire gratis, nous faisons sans compte, et puis nous gagnons contact, nous pas qu'à quitter contact ça pour nous passer à Haïti bénéficier. Exactement. Haïti a bénéficié de toi. Ou quand vous avez un parti, vous avez un regardez, entraîneur, bomba, nous avons entraîneur qui a entraîné la sélection nationale, basketball là. Ou est-ce qui est lié? Il y a un entraîneur NBA lié. Exactement, c'est ça, assistant justement. Mac Basti. Yeah, exactement. Actuellement, là, c'est Power Forward qui paye Fédération Frontaxa, côté Nègre vient entraîner Haïti pour 5 cob. Ok. Sans 5 cob, il va toujours good. Pendant que Nègre va déplacer ou vient entraîner, quelle soit l'équipe pour République Dominicaine, Jamaïque, il faut avoir chaque 1 million de dollars. JB. 3 nectars au Souban. JB, en pile fois, c'est le Nègre vient comme ça, oui, qui fait des fois sélection contre Dominique Tchouboum. On pas trop long. Mon cher Nègre, Nèg sa ou vini, mbap bon menti, nèg sa ou vini an tout kèr yo, de ou wè, ki niveau basketball a Haïti kap di nan tournoi, ekip nou bat pou pipi ki bon bat 55 points de différence, okay. Tandis que c'est de haut niveau. Wèm bilan nou gen Mac, Nick Friedman, mse son coach lié nan D-League, c'est mse ki fait vidéo coordinateur, ki fait tout bagay sa, Haïti gon bol solide, de ou commentateur yo, sou ta suiv, et match Haïti yo, Merson. Comment t'as pas demandé qui j'ai Haïti pour payer mon zayo? Qui est que le coup de payer et payer sa pauvre? Côté Haïti, j'ai 1 million de dollars pour chaque nex zayo. Parce que je connais nex zayo qui est souillé. Parce que l'homme Mac Basti qui était coach principal de D-League et Houston Rockets là, c'est tellement bas résultat, les champions conférences puis. Et Mac Dantoni dit on est qu'on s'en pas qu'à quitter lundi, il fait le monter comme assistant coach. Comment on dit ça, c'est-à-dire que même Jamaïque, même République Dominicaine, qui était pour Calipa pour entrer dans le tournoi, c'est 1 million de dollars qui était pour Calipa. Et puis, dès que ça a fini, ça c'est grâce à quoi on fait, parce que dès que ça c'est des amis nous. C'est-à-dire que même dans les finances couplantes, nous avons proposé ma femme Dimerson, nous avons un mot pour mon coup de main,
c'est sûr et certain que sous tapement on est 1 million de dollars, on dit JB mon cher, bon 100 000 dollars parce que pour faire une trip, non, je pense que c'est gratuit pour ça. Exactement, exactement. Parce que ça n'est que vous faire là. Parce que c'est des nègres, c'est des nègres qui ont depuis longtemps. Et puis, si la nègre dit nègre projet, c'est à mouton sélection, et le tarim est un bon solide qui vient entrer les sélections, c'est comme ça, nègre entre en Haïti, il y aurait mes projets là. Il y aurait le talent tout, et puis nous avons poussé. Et puis, premier tour, nous allons aller. Bon, nous balayons tout le monde, mais malheureusement, le général manager, nous qui ne connaît pas la loi avec des fois, avec la fédération, qui ne connaît pas la loi internationale, c'est éliminer Haïti. Okay. Bon, pour pas disqualifier Haïti plutôt. En tout cas, JB, moi-même, je remercie et tout staff Radio Stereo 9 là. Je remercie. Oui, JB, je pense que nous avons bien pour nous parler l'autre là. Pas de problème, moi très ouvert et jeudi à 13 décembre 2021 et Happy New Year 2020, tout le monde capte des émissions et visant 2020 à son big picture pour basketball en Haïti. Je sais que toute diaspora haïtienne très bientôt maintenant, diaspora haïtienne peut-être un mois de janvier, quand fin janvier, parce que nous avons mal au ma City à Wedenlands, okay. Ou mal par la liste de projet à eux, puis à citer les trois matchs tôt. Et peut-être un mois, moi qui a monté dans la son corps parce que vous m'avez deux trois petits. Parce que moi, je fais une campagne internationale parce que le développement basketball là, il est passé par international là. Parce que le basketball là, c'est États-Unis lié. États-Unis, par une lettre de 35 millions de Haïti, nous ne pouvons pas arrêter juste en Europe, nous profiter des États-Unis, nous-mêmes là, nous ne pouvons pas profiter de ça. Nous pouvons au maximum du développement talent du jeune cap de 15-16 ans qui est haïtien. Que nous voulons pour depuis dans le live, ça, pour le convaincre, pour naturaliser, ou bien, nous avons deux passeports, nous n'avons pas de problème, parce que, aussi, je ne reconnais pas la double nationalité, on n'a pas qu'un président, on n'a pas qu'un rien, mais double nationalité, pour une fonction, pour une bagarre, ça, on reconnaît bien, dit que, si on est vlequé, deux passeports américains, pendant que par un haïtien, on voulait une haïtien, tout, nous pas de problème, ou avec des possibilités pour jouer, pour sélectionner ça, FIBA, pour caladier Haïti, parce que nous pas qu'on loyaux. En tout cas, merci un peu le JB, parce que tant que j'aime te dire. Je m'en demande de rentrer sur votre émission parce que tout cas là, c'est le pédo là. Yeah, exactement. Merci un peu. Et nous te gagnons ensemble avec nous. Jean-Bernard Georges, qui lui-même c'est représentant Power Forward International. Nous connaissons Power Forward International qui est dirigé par le CEO qui c'est Pierre Valmira dit Titanic. Faut rappeler que émission aujourd'hui en émission en fin li pendant l'an fin li faut rappeler que émission était patronnée par nous avons seulement trois sponsors ensemble avec nous. Premier c'est soir qui a passé en bas écran Icomtech qui c'est en l'école de journalistes ou capable et visiter l'école ça qui trouvé dans Delma 29 numéro 21. Et sous besoin parler avec responsable la PDGA, c'est 3109-1962. Dans l'école, sont capables à l'apprendre chronique sportive, animation et présentation, radio, télé. Et puis nous gagnons Maman Kozea, nous connaissons, qui c'est Haïti Broadcasting. Si nous capables aujourd'hui, c'est grâce avec Haïti Broadcasting. Dans affaires pour nous capables de voir Haïti en l'autre genre. Si Haïti Broadcasting et puis Tom Fashion. M'a bien pour faire émission spéciale pour Tom Fashion oui, parce que Tom Fashion sous MK Fashion comme ça, une belle chemise ou moins, n'est-ce pas Thomas? Une belle chemise ou moins c'est grâce avec Tom Fashion. M'a bien Tom Fashion nous capable aller sur website là qui c'est www.tomfashionstore et bon font petit coup de rapide. Mon ami Thomas, oui, n'a dit c'est Tom Fashion Store, merci. C'est tomfashionstore.com. C'est numéro ça, c'est un website ça ou aller ou inscrit sous lui pour capable acheter. Quel que soit radou vlia et tout radou ou est sous lui, yo disponible. C'est pas moun comme si kap di yo pour order et puis yon même yo pral order dans l'autre côté pour yo vouer le bas ou pas ça du tout. Tout son ou est sous website là, yo déjà dans warehouse nous ou bien dans entrepôt nous pour moun qui parle français et ou ap seulement cliquer. Acheter radouvlia et puis rad la vin jwenn quel que soit côté ya ou te mette en Europe ou te mette en Asie ou te mette en Haïti quel que soit côté ya ou ap jwenn nan Tom Fashion et puis le a déjà arrivé c'est là tout nous mettons boutou avec émission l'émission côté nous t'ai parlé en pile nous t'ai parlé d'abord avec Meshack Jérôme qui c'est international haïtien qui lui-même t'ai parlé de passer li dans plusieurs clubs que le passé déjà
d'abord dans Orlando City, dans l'Impact de Montréal, qui te font bref passer pendant 4 semaines avec l'autre club encore. N'a salué Raymond qui là, c'est vrai Raymond a fait des séries de bruit là, mais la cap nu studio a. Oui, Meshack Jérôme qui te font passer dans l'Impact de Montréal. Club li actuellement c'est El Paso Locomotive. Et puis dans fait émission on t'ai parlé ensemble avec Jean-Bernard Georges dit JB qui t'ai parlé en long et en large de Power Forward International et il t'ai font parler de ce travail que Power Forward t'ai fait pendant l'année 2019 là malgré année alté difficile pour yo mais c'était année côté que yo t'ai fait plus jeune bénéficier boost d'études pour capable à faire sacré les sport et études les bails de sport plus précisément basketball et études et puis Jean-Bernard Georges lui fait connaître qu'il déclare sur antenne Stéréo 9 que candidature lui pour t'abriguer un poste électif pour la Fédération haïtienne de football puisque dans lui déjà non cartel il y a deux qui déjà confirmé dans cartel ça c'est Pierre Valmira du Titanic et puis Jean-Bernard Georges c'est deux moun sa yo qui déjà gen cartel yo en attendant l'autre moun plus Emmanuel Bonfil en attendant l'autre moun yo même yo ta vini nan cartel sa pour capable aller dans élection et élection qui ta supposé faite le 28 mars cap vini là l'a déjà arrivé pour nous aller bye bye tout moun nous bon rendez-vous c'est pral pour yon l'autre le sous même radio a même page Facebook là pour nous capable parler en pile de sport et parler en pile bye bye tout le monde rendez-vous pour l'autre le